Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode de Fallout 4. Donc j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai amélioré certaines armes. Enfin surtout une. Donc vous pouvez la voir là, le Ken le Mafioso. Voilà. Donc j'ai changé le canon, j'ai rajouté une crosse complète. J'ai modifié aussi le tambour en mettant en éjection rapide. Le canon court j'ai mis en léger, j'ai changé la culasse forcément pour faire plus de dégâts. Donc maintenant, je n'ai plus d'excuses. Le first gunner, alors ce qui est marrant c'est que le pistolet fait quand même plus de dégâts que mon arme. Voilà pour ce que j'ai fait. J'ai aussi une chier d'objets de soins. Le bric-à-brac, je l'ai rangé, cependant vous voyez qu'avec tous les objets de soins que j'ai, je dois avoir en fait... Voilà. Donc j'ai fait aussi de la bouffe. J'ai fait aussi de la bouffe, ce qui m'a rapporté un petit peu d'XP, ce qui est intéressant. Mais surtout... Hop. Surtout, ça m'a permis surtout d'obtenir de la bouffe qui est donc forcément, à mon avis, mieux vendable, entre guillemets, aux différents marchands. Et justement, donc comme on en parle... Ah oui, non, alors, aussi, on va retourner à l'entrée de l'abri. Il paraît qu'il y a un glitch avec le chien. On me l'a expliqué. Je vais essayer de le faire. On verra bien. Alors comment on y descend? Par là? Comment on redescend dans l'abri? Est-ce qu'on peut redescendre dans l'abri? Bouton d'ascenseur. Voilà, ok. Faut aller appuyer sur le bouton et après venir s'installer dessus. Pourquoi pas. Alors. Dans le pire des cas, j'irai relire le truc qu'on m'a dit. Parce que je l'avais copié-collé dans le chat. Hop. J'avais prévu le coup, entre guillemets. Ah, bah t'es déjà dedans, toi. Hop. Drôle de bruit. D'accord, merci. Ah oui, là faut passer. Hop. Porte coulissante. Ok. Donc c'est maître, c'est ça ? Toutou. Attention. Allez voir ce que c'est. Va déverrouiller le coffre. Allez voir ça. Non? Vas-y, viens, 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 viens. Viens là. C'est fermé. Hop. Et apparemment... Apparemment c'est pas ça, donc j'ai mal compris. Alors je vais aller voir, parce que si c'est un glitch qui fonctionne, je préfère vous le mettre. Re, chers amis, donc, alors... Viens, attention. Là. Venez ici. Hop. Parlez. Comment ça va, mon vieux? Va chercher... Non, mon grand. Tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? Un objet. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, mon grand. Et normalement... Voilà! Wouhou! Merci le chien! Et il a réussi à me choper l'arme en fait, à travers le truc. Et donc on a cette arme qui est une arme unique, une arme légendaire. Donc voilà pour la petite astuce, chers amis. Et le pire c'est qu'on pourra quand même revenir chercher l'XP. Donc, alors, on va quand même aller la voir cette arme, merde. Cryolateur. Hop. Je la mets en 5. Munitions manquantes. On va pas tout avoir, hein. Il faut quoi comme arme d'ailleurs? Des balles cryo.
Je sais pas du tout ce que c'est. Munitions requises manquantes. Bon, alors de ce côté-là, c'est bon. Alors ça, je voulais vous le montrer parce que je savais qu'il y avait une astuce. Hop. En fait, l'objet étant présenté comme un objet déjà présent... Oh, putain. Kanigou, si tu restes en bas comme un con, je te fais la gueule. Attention. C'est bon. Bon, bah de ce côté-là, c'est bon. Alors là, on a Sanctuary devant le nez. J'aimerais qu'on se rende aussi... Donc, qu'on aille quand même, hop, ici, c'est où? Gare de Bradford, d'accord, alors c'est où? C'est là? Covenant. On va se rendre à Covenant, on va vendre 2-3 choses au magasin. Wow, elle est belle celle-là. Qu'est-ce que ça? Ah, c'est une Gatling laser. C'est une Gatling laser, elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Alors là, je confirme, elle est magnifique. Absolument magnifique. Ah cool, il y a toujours le vendeur. Il y a pas mal de capsules à se faire. Lucas Miller, c'est pas le même. Si ? Salut Lucas. Je vends les meilleures armures de la région. Tant mieux. Troqué. D'accord. Oui. Ne faites pas des économies de bout de chandelle en achetant votre armure. C'est le meilleur moyen de se faire tuer. Si tu le dis. T'as pas beaucoup de pesos, hein. Hop. Voilà. J'aimerais au moins lui revendre mon... Hop. Voilà. Mon bordel. Jambe droite. Pas intéressant. Agilité, perception plus 1. Par contre 10 000, oui d'accord, ok, donc non. Et tu ne vends que ça? Il vend des cargaisons. Et des munitions. Ok. Je vais lui vendre un ou deux medics. Un medic. Voilà, comme ça tu es pauvre. C'est vraiment dommage qu'il ait pas plus à me fournir. Hop. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Bien le bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jacob. Et c'est moi qui dirige cette ville. Heureux que vous ayez réussi. Vous pouvez dormir dans l'un des lits de la chambre d'hôte. Et je vous conseille la boutique de Penny. Je vous remercie. Merci de votre hospitalité. Avec les gens comme vous, c'est un plaisir. Sinon, je vous conseille de rester à l'écart de Monsieur Dan. J'ai reçu des plaintes à son sujet. Hmm. Merci. Merci pour l'avertissement. C'est bien normal. Je vous souhaite un agréable séjour. Je vous remercie. Tu es trop gentil. Clé de maison, capsule, capsule. Non, il n'y a rien important. Ouvre. On est en pleine journée, ce qui est parfait. Passez un agréable bonjour. Séjour. Pardon. Passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour. Si vous avez mal quelque part, dites-le au docteur. Troqué. Il faudrait de quoi. D'accord, mais... Non, les drogues, c'est toi qui vas me les prendre, en fait. Tiens, regarde. Hop. Tu les prends. Tiens, regarde. Mince. J'en ai un petit peu de trop. Voilà. Est-ce que tu as beaucoup de... Steam Pack? Tu en as quelques-uns, effectivement. Ok. Le psycho. Tu me le prends aussi.
Je te prendrai bien un steampack supplémentaire. Ou non, pas de steampack. Hop. Plutôt quelques radaway. Parce qu'au final, les radaway sont tout aussi importants. Hein. Et vous voyez, les steampacks, au final, je n'utilise pas des masses. Purée minute, tout ça, tout ça. Le steak décorcheur, je vais le vendre. De toute façon, c'est le genre de choses que j'utilise jamais. Limonade 10 heures, vous voyez, elle vaut rien ici, pardon. La pâté pour chien, le Dinky D, non, je le garde. Radix, j'en ai une chier. Et voilà, comme ça je me fais un petit. Je commence à me faire un petit compte en banque. Bonjour madame. Passez un agréable séjour. Passez un agréable séjour. Revenez de passer un agréable séjour. Ah, c'est parce qu'il va faire nuit, non? 8h02, oui exact, c'est parce qu'il va faire nuit en fait. Ok. Eh ben, vous savez quoi? Oh, il y a la gamelle du chat. On va s'asseoir. Et on va laisser le temps passer. C'est vrai que c'est pas normal que ce soit aussi bien protégé. On va mettre 13 heures. Attends. Hop, allez. Alors oui, comme je l'expliquais dans le précédent épisode, il y aura des modes dans le jeu. Hein. En l'occurrence, il y aura des modes un peu plus... qui rendront peut-être le jeu un petit peu plus hardcore. En l'occurrence, des nuits plus sombres, etc. etc., etc. Oh la vache. Bah là, pour le coup, c'est très très clair. Hein. Le terminal de la chambre gauche. D'accord. Encore une nouvelle tête. Bienvenue. Bonjour. Monsieur Fitzgerald. On ne tolère ni la violence ni la vulgarité. Si ça correspond. Le chat. Canigou. Prudence. Bouffe le chat. Bien. J'aurais essayé. Est-ce que le magasin va être ouvert? Oui. Salut, 10h. What? En mode creepy? Qu'est-ce que tu... Ah, il aime pas les tourelles. Hein. Passez un agréable séjour. J'espère que ce soir ne vous a pas trop posé de problème. Si vous voulez mon avis, il prend son travail trop au sérieux. Mais bienvenue. Tout le monde ici m'appelle Madame Fitzgerald, mais vous pouvez m'appeler Penny Trésor. C'est sympa. C'est un plaisir. C'est un plaisir de rencontrer quelqu'un d'amical. Si vous aimez ça, c'est votre jour de chance. Covenant est l'endroit le plus amical du Commonwealth. Oh, t'es vraiment moche, hein. Vous êtes là pour acheter quelque chose? Je vais vous faire un bon prix. Oh oui, fais-moi un bon prix. Troqué. Montrez-moi ce que vous avez. Prenez votre temps, trésor. Arme de fortune. Alors, on va déjà voir ce que t'as à vendre. Arme. Bizarrement, tu vends justice. Ouh. Ouh. D'accord, ça met dans l'ambiance. Fusil de combat, donc c'est un fusil de combat. Fusil de chasse, ok. Épée d'officier chinois, d'accord. Il vend quand même un gant de boxe, hein. Aucune amélioration actuellement. Il a pas de... Wouah, il est quand même stylé, hein. Ok, cependant, j'ai pas ce qu'il faut pour te l'acheter, ma grande. Ok, bon, je me suis fait ce que je voulais, principalement des sous. On va peut-être aller se balader un petit coup, tiens. Tiens, il y a une quête par là. Ah bah, c'est Preston. C'est Preston. Ouais, non, bah tant pis. Il y a un truc dans le coin, mais c'est plein d'eau, là. Là, il y a une casse. Là, il y a une espèce de bâtisse. Ah oui, il y a la maison, là. Je m'en rappelle. On avait vu la caravane. Je sais pas si vous... Waouh. Je rêve où il... Où il fait une zone de froid par moment. Non, c'est dans ma tête. Il me semble qu'on avait vu une maison ou un truc dans le genre par ici. Il y avait ça aussi qui puisait, effectivement. Hop. Vous avez vu comme moi un gros truc tomber là-bas?
C'est marrant. C'est littéralement des tranchées. What? Ah non, c'est rien. Ah non, c'est pas les tranchées, c'est ce qui va avec le lac. Je le sens pas, cet endroit, c'est marrant. Oula! Pense à te défendre la prochaine fois, Ganigou. J'ai failli m'étouffer, oui, c'est vrai. Et puis je voulais aller voir ce camion aussi, je m'en rappelle. Alors, bien sûr, il y a vous. Mais il y avait avant tout ce camion. Voilà, je m'en doutais. En plus, c'est notre première avancée, je crois. Bah, dis donc, ça va être chaud. Alors, sans toucher le truc, peut-être. Oh putain. Hop, ça joue vraiment rien d'avancer déjà. Oreiller en paille, deux valises. Plein de cheveux, gilet, pantalon, t-shirt et pantalon. Mais il y avait rien en fait à choper là-dedans. C'est juste une. Ah si, un sac là, non? Non, saut. Non, il y avait rien à choper là-dedans en fait. Pas grave. Faudra qu'on pense à bien fouiller ces endroits-là. On va aller voir la maison. Même si je me fais pas d'illusions. Hein. Ah oui, je voulais aussi aller voir autre chose, chers amis. J'y passe, j'en profite comme ça. Hop. Montage de capsule, plus de munitions. Ça, ce sera. Alors, par contre, est-ce qu'on peut voir les différents niveaux aussi? Genre simuler ou un truc comme ça? Ah oui, on peut. Alt. D'accord. Ça pourrait être intéressant, ça. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! What the fuck? C'est rempli de moustiques, ok, pourquoi pas? Aïe! Ok. Alors, c'est rempli de moustiques. On va bouffer un truc quand même. Hangar à bateau de Taffington. Hop. Voilà. J'aime pas quand les gens m'attendent. Hop. Ouais. Putain, c'est des mines. En fait... Oh la vache. Est-ce que vous venez de comprendre ce qui se passe, chers amis? Si jamais tu pouvais pas rentrer et que tu faisais le choix de passer par là, tu déclenchais le tir de shotgun. C'est d'une violence. D'accord. Bon bah allons-y. Non. Il est juste là. Oh, bonjour. Raté. Raté. Non. Non. Bla. Ah, c'est donc ça l'animation, d'accord.
Ok. Alors ce qui est cool, c'est que je me rappelle pas quand est-ce que j'ai fait ma dernière sauvegarde. Là. Ok, pourquoi pas. L'avantage maintenant, c'est que je vais pouvoir faire 5 ou 6 ou 8. Je sais plus. 4. Hop. Hop. Kenigou. Raté. Touché. Ok. Il y a des courges. Ah oui, sœur. Fais-moi le plaisir de sortir. Ok. Tu la sens, ma grosse tapette à mouche ? Bon, là, il y a un manque de dégâts, certains. Donc on sort la grosse artillerie. Hop. Bah alors. Hop les. Hop les. Ouais, c'est pas plus défendu que ça, remarque, hein. Il m'avait semblé plus vorace la dernière fois. Hop, toi tu t'éteins. Bonjour, note de Margaret. Ah, ça va qu'on aille lire ça. La note de Margaret. Hop. Oh mais là, là. Oh, c'est dingue, c'est incroyablement dingue. La note de Margaret. Alors. Maman, ça fait plus d'une journée que Russell est parti et je commence à m'inquiéter. On voulait attendre avant de t'en parler, mais on a trouvé une vieille holobande datant de l'avant-guerre dans le hangar à bateau. Tout n'est pas clair, mais elle semble indiquer que des drogues seraient cachées dans le tuyau d'évacuation au bout du canal. Russell s'est dit qu'on pourrait les revendre à un des marchands et utiliser les capsules pour acheter notre Bramine. Je suis désolé, on voulait juste te faire une surprise, mais c'est la deuxième de ces sales bêtes qu'on voit aujourd'hui. Je commence à croire qu'il lui est arrivé quelque chose et je pars à sa recherche. T'inquiète pas, je vais jeter un coup d'œil et revenir aussitôt. Maggie. Margie. Margie. D'accord. C'est triste, mais bon. Déverrouiller novice. Hop. Génial. Ouh. Ah dommage, je crois que c'était un vrai revolver. Ouh, dis donc. Ce serait pas un légendaire ça? De toute façon. Faut même pas savoir quand c'est un légendaire ou pas. Si, 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 on peut. Je suis con. Ça affiche un truc supplémentaire. Oh, il y a un coffre. Putain, mais je passe à côté de tout. Aïe. Crac. Joli. 10 mm. J'aurais préféré... Revolver. Ça aurait été bien plus cool. Ok. On va profiter quand même d'être ici. Il est 11h du matin. On va dormir 10h. Hop. Faire profiter du bonus d'XP. On aurait peut-être dû le faire avant de faire tout ça d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Hop. Ah, j'ai pas profité du bonus. Intéressant. Au niveau de la bouffe, est-ce que je peux cuisiner des choses? Là, peut-être. Non. Et au niveau de la soupe, non plus.
Alors, Kenigo a trouvé quelque chose. Je le vois pas. Porte déverrouillée, novice. Hop, voilà. Ça y est. Un petit peu d'XP. Hop. Voilà, voilà. En fait, si l'eau n'était pas potentiellement une putain de saloperie. Je me serais démerdé autrement, mais l'eau étant ce qu'elle est, une putain de saloperie. J'ai pas envie de remonter descendre par là, je vais plutôt aller voir le truc là-bas, il y a MTB. Il y a surtout un truc de soin, ça m'intrigue. Hop. Par contre les munitions descendent vite avec ce genre de bestiole. Vous avez vu un truc passer sur la gauche? Ok. Oula! Ok, ça fait mal. Bla! Ok! Donc, arme de corps à corps, machette. Ça va chier. Ça va chier, ça va chier, ça va chier. Je suis content de pouvoir l'utiliser, je l'avoue. Où est-ce qu'elle est? Je l'ai pas rangée. Non, je l'ai pas rangée, c'est pas possible. Ah, je l'ai rangée. Non. Non, 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 je l'ai pas rangée. Ah, merde. Merde. Tant pis, on va essayer autre chose alors. Hop là. C'était beau ça. Il y avait du talent, il n'y en avait pas là, chers amis. Alors. Vous voyez le truc qui brille là-bas? C'est quoi ce bordel? What the fuck? Je ne l'ai pas tué. Je l'ai toujours pas tué. Putain, c'est des super mutants. Hop. Aïe. Joli. Hop. Kamikaze. Non.
Canigou! Non! Canigou! Oh merde! Canigou! Hey. Ça va? Tu te remets? Canigou s'est remis, chers amis. Par contre, il y a son pote que je retrouve pas. Ah, le voilà. Mâchoire humaine. Bah, bonjour! Ça t'arrive souvent de te balader avec une mâchoire humaine? Ok, par contre, on a clairement pas le niveau, vu le nombre de balles qu'il leur faut pour mourir. On a clairement pas le niveau de la zone. On va quand même aller voir. Medford. D'accord, on va pas rentrer dans l'hôpital. Je pense que ça, vous vous en doutez. Oui. What? What the fuck? Ok. On n'est clairement pas au bon endroit. On n'est clairement pas au bon endroit. On n'est clairement pas au bon endroit. Merde. On va quand même aller voir les armes qu'on a trouvées. Enfin, qu'on a trouvées. On a réussi à choper. Ok, alors je... Ah si, c'est bon. Oh putain, elle est belle. Elle est carrément belle, cette arme. Bon, celui-là aussi, je reconnais. Bon, par contre, on n'est pas du tout au bon endroit. On va se déplacer. On va aller ailleurs. On a suffisamment exploré dans le coin, je pense. Ok, parler à Preston. Parler à Preston. Eh ben, on va aller parler à Preston, justement. La plupart des magasins sont ouverts et fermés en journée et fermés la nuit. Moi, la dernière fois que je suis allé au Super Hypermart, c'était en pleine journée et il y avait des ghouls dedans. Quand même. Alors, détecté. Bah oui, tu m'étonnes. Alors, établi d'armes. Attends, je vais te recycler. Cryolator, on peut le modifier. Ah bon. Canon cristallisant. D'accord. Oh, cross avec une partie métallique qui compense le recul, c'est pas mal. Et le viseur lumineux, d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Alors là, par contre, je suis curieux de savoir ce qu'on peut modifier. Donc là, le canon long, canon automatique, ouh. Ouf. D'accord, donc c'est un pistolet à la base. Le viseur, on peut même trouver des lunettes, c'est génial. Et la bouche, ouh. Ouf. D'accord. Le mafioso, nanana, roulette laser, sniper en devenir, institut pistolet, voilà. Plein d'armes différentes, canon automatique, canon long, canon court, canon automatique amélioré. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir perdu quelqu'un, mais il me manque tellement. Ok, et au niveau des bouches, on peut tomber sur quoi? Plein de trucs aussi, d'accord, ok, pourquoi pas. Fusil de chasse. Celui-là, je vais le... C'est déjà le mien, comme ça, en fait. Ça, le truc. Sniper en devenir, normalement, c'est un fusil de chasse. Tout à fait. Fusil à double canon. Hop.
celui-là. Modifié. Celui-là. C'est dommage, est-ce qu'il est en automatique? Non. J'aurais dû en faire plus. J'espère. Celui-là, je vais l'appeler. Cher pour ce qu'ils ont fait. Le Delirious Gunner. Voilà. Celui-là, je le garde. Réveil de fortune avec viseur lumineux, par contre. Non, je vire. Je vire. Voilà. Bon. Cependant, là, de... non, mince, je me trompe souvent de bouton, hein, je suis désolé. Du coup, je vais mettre le First Gunner qui fait 19, et celui-là qui fait 18. Je vais mettre le First Gunner dedans. Je vais mettre une grenade d'augmentation. Le cryogélateur, je vais le mettre dedans. Un pistolet laser, je mets dedans. Mine, je la mets. Alors, pistolet, alors 7, 295. 24. Par contre, celui-là a une beaucoup plus grande portée, d'accord, donc je mets celui-là. Ok, donc c'est déjà ça de prix. Preston! Ah bah ça tombe bien, t'es juste là. Il vous faut quelque chose? Bonjour. Bonne nouvelle. La colonie que je viens d'aider a décidé de se rallier aux miliciens. Alors ça, ça fait plaisir. Je savais que j'avais bien fait de vous confier cette mission. Au fait, vous devriez prendre un de ces pistolets lance-fusée. Il vous permettra de demander un coup de main aux miliciens à proximité. Il ne sera pas très utile dans un premier temps. Mais plus vous rallierez de colonies, plus vous pourrez obtenir d'aide. Au fait, il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Je ne crois pas vous avoir raconté ce qui est arrivé aux miliciens. Comment j'en suis devenu le dernier? Le dernier milicien? Vous êtes vraiment le dernier milicien? Peut-être pas littéralement. Il doit y avoir un paquet d'anciens miliciens qui ont tout laissé tomber après le massacre de Quincy. Mm-hmm. Mais on était le dernier groupe actif de miliciens. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus que moi. Je vois. Le massacre de Quincy. C'était quoi le massacre de Quincy? Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth connaissait cette histoire. J'étais dans le groupe du colonel Hollis. Une bande de mercenaires, les artilleurs, avaient attaqué Quincy. D'accord. Les habitants avaient appelé les miliciens à la rescousse. On a été les seuls à venir. Les autres groupes, ils ont tourné le dos à leurs compagnons et aux gens de Quincy. On n'a pas été nombreux à s'en sortir. Le colonel Hollis y est resté. Alors j'ai dû prendre les survivants en charge. Ouh. On n'a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir. On a enchaîné les désastres. Vous avez bien vu comment ça a fini à Concorde. Je vois. Le massacre de Quincy. C'était quoi le massacre de Quincy? Je croyais que tout le monde dans le Commonwealth... Ah d'accord, c'est la même. C'est bizarre qu'il me... On n'a pas été... Uh-huh. On n'a jamais trouvé d'endroit sûr où s'établir. Uh-huh. Je sais ce que ça fait. Courage. Tant que vous ne baisserez pas les bras, les miliciens auront de l'espoir. C'est vrai. Je ne vais pas baisser les bras, mais je ne peux pas protéger le Commonwealth tout seul. J'ai déjà eu du mal à protéger ces gens. C'est pour ça que je m'adresse à vous. Je ne peux pas rebâtir les miliciens. Mais vous le pouvez peut-être. Incertitude. Je ne vois pas pourquoi vous pensez ça. Vous nous avez sauvés à Concorde, alors que ce n'était pas votre combat. Vous aviez vos propres problèmes, mais vous avez quand même agi. Bon, en même temps, qu'on n'avait pas vu ce genre de preuve d'altruisme. C'est pas de l'altruisme, hein. C'est... Des gens qui m'attaquent, je vais les buter. Que vous ne m'attaquiez pas, vous, je veux pas vous buter. Quoique. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en suis capable? Vous nous avez sauvés à Concorde, alors que ce n'était pas votre combat. Ça faisait un... Tu te répètes, les miliciens, vous pouvez m'expliquer ce que sont les miliciens, exactement? Nous sommes des soldats civils. Des gens du Commonwealth qui unissent leurs forces pour se protéger et décider de leur avenir. C'était l'idée d'origine et elle était bonne. Mais notre organisation s'est effondrée parce que nos chefs ont oublié ce qu'on représentait. Je crois que vous êtes capable de faire renaître les miliciens et de rassembler le Commonwealth. D'accord. Bon, mais pourquoi pas alors? D'accord. J'accepte. Parfait. Bienvenue parmi nous. Je sens que c'est un nouveau départ pour les miliciens et pour le Commonwealth. Ne vous en faites pas. Je serai là pour vous appuyer, général. Général? Sacrée promotion. Général. Pourquoi est-ce que vous m'appelez général? Le leader des miliciens a toujours porté le grade de général. Notre dernier chef était le général Baker. À sa mort, en 82, tout le monde s'est disputé pour choisir son successeur. L'avantage d'être le dernier milicien, c'est qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de vous nommer général. À vous de faire de ce mot bien plus qu'un simple titre. D'accord, ok. Une mission différente à vous proposer.
Nos éclaireurs ont découvert un emplacement prometteur pour une nouvelle colonie. Le problème, c'est que des bêtes sauvages ont investi les lieux. Quand vous aurez fait le ménage, posez une balise radio pour prévenir les gens du coin. On ne tardera pas à voir une ferme se développer pour exploiter les terres. C'est comme ça qu'on regagnera le Commonwealth, petit à petit. D'accord. Bon, bah il y a du boulot de ce côté-là, hein, nom de Dieu. Et au niveau des quêtes, exactement, on en est où ? Position, l'erreur est humaine. Le joyau, allez à Diamond City. Bah tiens. Vous savez quoi ? Maman Murphy ! Maman Murphy ! Ah bah non, je n'ai plus, j'ai tout vendu. Dommage, t'as pas de chance. Désolé, maman. Bonjour, maman. Trouvez-moi du jet et je pourrai faire appel à la vision. La vision. Bon. Carte. Alors, si on partait de Lexington. À partir de des appartements de Lexington, on va. J'ai une élévation de la petite survie dans les titanes. Mais finit comme pour nager plus vite ou récupérer deux fois plus de viande sur les carcasses d'animaux. Ça, c'est intéressant, ça, par contre. C'est vraiment génial. Hop! En plus, on a deux doigts de leveler. Ça pourrait être intéressant. Alors, ça y est. Mince, je me souviens qu'il y avait un... J'étais monté là-dedans ? Ça me dit rien. Peut-être rien à y trouver non plus, mais bon. Effectivement. Nord. Faudrait qu'on aille à l'est, normalement. C'est ça, hein ? À l'est, effectivement. Faudrait que je sois sur le pont, par contre. De l'eau. Oh putain, c'est par là qu'il y a les fongeux. Kenigou ? Oh putain, mais où est-ce qu'il est allé ce chien encore ? Le voilà. Oula, ça tiroille. J'ai pas vu ce que c'était marqué tir d'appui. C'est une carte ? Écoutez la fréquence militaire. Attends, j'ai vu des tirs et... Kenigou. D'accord. T'inquiète pas, je me souviens que tu m'as tiré dessus. Bien joué, Kenigou. Toi, par contre, tu m'as tiré dessus. Ça ne se fait pas, mon cher. Hop, établi d'armes. Est-ce que je peux re-rentrer dans mon personnage ? Ils sont si nombreux. Un combat, d'accord, ok. Où est-il? What? Et c'est que t'es grosse! Pas de munitions du tout, génial! Faut que je replace le gunner. Et du coup, comme j'ai rechangé d'arme, le gunner n'est plus à sa place. Hop, où est-ce qu'il est? Delirious Gunner, il est là. 1.
celui-là. Enfin, je le mette en 5. Parce que j'ai plus de munitions dans ce pistolet-là que dans l'autre. Ce qui peut paraître triste. Alors, faut que j'écoute le signal militaire. Mais bon. S'il vaut mieux que je l'écoute maintenant. C'est quoi la suite? D'accord, il provoque une hémorragie. Pourquoi pas? Alors on avait aussi la possibilité de mettre plus de munitions ou plus de dégâts dans le pistolet tout simplement. D'accord. Ou alors... Je peux pas en mettre dans Fana d'armes. D'accord. Ça pourrait être intéressant plus tard. La technologie pour l'instant c'est pas une grande nécessité. Alors j'hésite entre plus de dégâts et plus de munitions. Si j'ai pas de munitions je ferai pas plus de dégâts, donc techniquement on va réfléchir comme ça. Hop. Ok, j'ai pas du tout entendu le truc mais c'est pas grave, éteindre la radio. Apparemment faut que je me rende quelque part. On verra bien. Bon. Par contre au niveau des quêtes, cartes. Merde, je me rentre dans le bon. Dans son endroit là, hop. Qui est au sud, mais je peux pas y aller pour l'instant en allant directement au sud. What the fuck? Pouf. Dis donc je suis pas méga fan. Là, il y a danger. Voire peut-être même des mines. Avancez. Aïe. J'ai bourré comme un... Génial. Hop. Ça pour trouver un champignon luminescent, t'es sérieux là, jeu? Juste ça? Ok! Ah, là, il y a un truc un peu plus intéressant. Hop. Du Radix. C'est pas génial non plus en fait. Ah, voilà ce qui était intéressant. Allez, viens. Et je l'ai pas touché une seule fois. Saloperie. Ah! Bon! Mouche bouffie noire. C'est peut-être pour ça qu'elle me fait autant de dégâts. Un rat de cafard maintenant. Couché! Putain d'insecte!
Donc ici il y a une armure assistée. Pourquoi pas. Putain, il y en a encore un. Ah non, c'est Kanigou. C'est pas un insecte, c'est Kanigou. Bon, là il y a un bâtiment. Watts Consumers Electronic. Terminal utilisé. Note de service. On va se balader un petit peu. Là-bas, il y a une église. Je suis où par rapport à la carte? D'accord. Wow. Ghoul. Ghoul. Ok. Ça pue. On recharge. Ouh. Bon, ça fait un petit peu moins de ghoul maintenant. Je tiens à préciser que la mine ne s'est pas complètement arrêtée. Ça tiroille encore. Hop. Il y a des plantes. Rien du tout là. C'est vexant. Tu peux descendre s'il te plaît, Kanigou. Allez, descends, 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 c'est bon. Hop. Faudrait que je pense à cette planque là si jamais on... Ok, ça c'était un super mutant. Et je rate deux fois. Wouhou. Ok, un peu de santé, ça me fait du bien. Je crois qu'il m'a fait quand même très très mal. Ok, il continue à m'en faire. Hein. Et je le loupe. Hein. Voilà. Tant bien que mal. Hein. C'est des super mutants là-dedans, ça pue. C'est l'explosion de la voiture, tout ça. Qu'a fait ça, pardon. Oh. Des super mutants, génial. Sac à viande. What? Y'a des humains? Pire psychopathe. Effectivement, il y a des humains. Donc il y a une espèce de double guéguerre entre pillard et super mutant. Ce qui, je l'avoue, ne m'intéresse pas. C'est triste comme texture ça. Oh
Bon, du coup, j'aimerais bien que mon chien revienne. Ben, voilà. J'espère que t'as pas été suivi, Cabo. Hein. Pierre psychopathe. Là, il y a un pont. Cependant, c'est pas celui-là qui nous intéresse comme pont. Fangeux chasseur. D'accord, ok. Il va me tuer. Voilà. Bon. Bah, il semblerait qu'en fait, il faille obligatoirement que j'avance dans la quête principale. C'est quoi ce bordel? Ok, donc c'est pas la bonne direction. Si ? Là, il y a un pont, là. Oui, mais il risque d'avoir repop ici, donc je vais plutôt aller ici. Sable et gravier du Massachusetts. Et plus le danger se fait sentir. Génial ! Absolument génial ! Merci, le jeu. Donc on est clairement dans une zone trop level pour nous. Peut-être dû rajouter des points dans les dégâts. Hein. Peut-être trompé là-dessus. My bad, my bad. What the? Couché. De toute façon, je l'avais bien pris là. Oui, je l'avais bien pris. Là, faudrait partir directement plein sud. J'espère que c'est pas la même ville. Ce serait con. Ce serait bien la même. Alors, bonjour. J'aimerais acheter des cigarettes, s'il vous plaît. Clé de l'arrière-salle. Vous aviez vu qu'il y avait une arrière-salle, vous ? Honnêtement, vous avez vu qu'il y avait une arrière-salle ? Pas moi, hein. C'est la goule qui est là. C'était pas la goule. Y a plus rien. T'en penses quoi? Je sais pas trop. C'est le stress à mon avis. Ouais, sûrement raison. Faudrait que j'aille mollo sur le chat. Commence par. Ouais, non, c'est bizarre. On s'en va. Ça, l'arrière-salle? L'arrière-salle. Ouh. Une scie à métaux. Un macabé. Ouh. Bon, bon, bon. Là, il y a un de ces fameux camions. Est-ce qu'il s'ouvre celui-là? Non, parce que vous voyez, il est cabossé. C'est tout con à dire, mais il est cabossé, du coup il ne s'ouvre plus. Bienvenue dans la logique d'un jeu vidéo. Wow.
Ok. Dératisation. Appelé. Ça c'est fait. C'est ce qui marche le mieux encore. Donc bon. Ok. Il y a un paquet de cadavres par ici. Par contre, des alliés, il n'y en a pas des masses. Hein. Hop, hop, hop. Oh, cette maison a l'air très particulière. Bah non, y'a rien dedans. J'ai cru voir un commissariat. Waffles. Cafétéria du campus. Ok, pourquoi pas. L'ennemi légendaire a muté. Putain, il y a un ennemi légendaire. Je prends en 10 mm quand même. Putain, elle est morte là-dedans. Ah si, c'est bon. Congélation pistolet niveau 10. Le 10 points de dégâts cryogéniques et congèle les ennemis, les cibles en cas de coup critique. Bah, il est cool ce flingue. Bon bah une arme légendaire, comme ça. Bop, sauvegarde rapide. Une arme légendaire qui sort de nulle part. Avec un ennemi légendaire qui pop de nulle part aussi d'ailleurs. Ghoul sauvage errante. Les tirs doivent venir de là-bas parce que tout le monde se barre là-bas. Effectivement, il y a une espèce de zone barricadée ici aussi d'ailleurs. Il y a du monde au commissariat. Cessez le feu. Personnel civil sur le périmètre. Ok. Aïe. Aïe! On va se piquer. Aïe! Putain, elles font mal! Je peux pas du tout le fouiller, d'accord. Faire les poches, lui je peux le fouiller. Lui, je peux le fouiller aussi. Fusil laser, d'accord. Ok. Trouver quelque chose. Qu'est-ce que t'as trouvé, Canigou? Oh, des munitions. Que je passe, merci. Hop. Et des drogues. Ok, bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Je pense qu'on a trouvé un endroit assez sympathique. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, dont vous pourrez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas aussi à cliquer dans le descriptif de l'épisode et vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert ce jeu, donc Fallout 4, mais aussi le jeu Mad Max.
Quant à moi, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et hop, on récupère tout ce qu'il y avait à récupérer ici. On sauvegarde et on vous laisse.